tout le monde, j'espère que vous allez tous très 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 bien, vous avez passé de très bonnes vacances. Et oui, ça fait genre presque 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, puisque j'ai beaucoup travaillé, du coup pas le temps, vraiment pas le temps ni pour faire les boutiques ni pour faire des vidéos. Alors comme ça, je suis au ras des pâquerettes en ce moment et du coup, désolée, mais pas de haul, pas de revue, à part aujourd'hui, mais voilà. Bref, alors aujourd'hui je vous fais pour une vidéo retour une revue sur le site Evanabio. Donc concernant le préambule de ma revue, en fait j'ai connu Evanabio il y a plus d'un an, 1 an et demi. J'avais commandé du vinaigre de lavande grâce à Georgia Secret. Je sais pas si elle a toujours sa chaîne, mais en tout cas c'est grâce à elle. Et du coup, voilà, j'avais vraiment apprécié leur lotion. Et en fait au début de ma chaîne, comme je savais pas trop encore comment fonctionnait YouTube, j'avais demandé l'autorisation de parler d'eux, tout simplement. Et bon, en fait par la suite, j'ai compris qu'il n'y a pas besoin de demander l'autorisation à tout le monde, sinon on n'a pas fini. Du coup, voilà, pas plus, ils étaient d'accord. Et il y a environ 3-4 mois, ils m'ont envoyé un mail en me demandant si j'étais ok pour recevoir des produits de chez eux, sans pour autant avoir l'obligation de faire une vidéo par la suite. Mais bon, après, voilà, comme je leur ai dit, je trouve ça normal de parler de leurs produits, sachant qu'ils sont vraiment géniaux. Du coup, ils m'ont envoyé 3 produits. Alors, d'abord, le site Evanabio, avant de commencer. C'est un site qui vend des cosmétiques bio et naturels. Alors, en ce qui concerne leur marque, il y a différentes marques. Il y a la marque Lavara, il y a la marque Coslis, comme je vais vous montrer. Il y a vraiment plein de marques différentes. Donc en plus, ça permet vraiment de pouvoir découvrir voilà, d'autres produits, d'autres marques, enfin... J'aurais pas de dire mot marque, mais bon, en même temps, je sais pas quoi dire d'autre. Alors, avant, pareil, de commencer, je vais vous parler de 2 choses très très intéressantes sur ce site. La première chose, c'est le programme parrainage. Dès que vous parrainez quelqu'un, vous avez droit, vous, à 5%, et la personne, enfin le filleul, à 5% aussi de réduction sur la première commande. Donc si ça vous intéresse, moi ce que je peux faire c'est vous parrainer pour celles et ceux qui veulent commander pour la première fois, il n'y a aucun souci, vous avez juste à donner votre nom et votre prénom. Du coup j'enverrai tout à Evanabio, vous aurez le droit à 5%, et si vous faites pareil avec d'autres personnes, du coup vous aurez droit vous à chaque fois 5% par filleul en fait. Donc ça peut être très avantageux. La deuxième chose qu'ils font qui est super sympa, c'est le programme de fidélité. Donc ça se passe comme ça en fait. Par exemple, 10 € de commande vous donne droit à 10 points. Sachant que 100 points vous donne droit à 10% de réduction. Donc ce qui est vraiment pas du tout négligeable. Enfin pour moi c'est vraiment pas négligeable je trouve. Allez, maintenant on va passer au produit. Alors, je vais commencer par le vinaigre de lavande qui est vide comme vous voyez. Alors la marque c'est la Grange aux Herbes, je regarde ma petite note, il coûte 11,50 € les 250 ml, faut savoir que c'est le produit phare de leur site, hein, vraiment. De toute façon, sur la page d'accueil, c'est le premier produit que vous voyez, c'est celui-ci. Donc c'est une lotion 100% naturelle à base de vinaigre et de lavande, qui permet bien sûr le nettoyage en profondeur de votre visage, mais il y a aussi d'autres propriétés pour ce produit qui sont toutes notées dessus. Alors par exemple, pour les maux de tête, ça peut être utilisé pour les piqûres d'insectes, pour les poux, pour des petites coupures, pour éviter les crampes, enfin bref, pour plein de choses. Et je trouve ça vraiment super pratique à avoir dans sa salle de bain, étant donné qu'il fait beaucoup de choses, il n'est pas utilisé que pour la lotion du visage. Et franchement, il nettoie super bien. Même moi qui me nettoie la peau avec les éponges Conjac et tout ça, franchement, vous utilisez votre lotion sur un coton, votre coton, il aura quand même quelques petites traces. Pardon, c'est la reprise, le temps que ça revienne. Hein. Du coup, très très bon produit. Ensuite, j'ai une autre lotion de la marque Coslis qui est extrait de lys. C'est ce qui est marqué dessus. Rafraîchit et purifie pour tout type de peau. Donc cette lotion coûte 11,80 € les 200 ml. Et moi, pour moi, c'est presque vide hein, déjà. Franchement, il doit me rester peut-être quoi, une dizaine d'utilisations et après c'est fini. Alors, ce que j'ai pensé de cette lotion. Déjà,
Franchement, niveau odeur, faut quand même apprécier les odeurs florales parce que ça sent très 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 fort. Sur le moment, par contre, seulement sur le moment, c'est un peu comme le vinaigre de lavande, ça va sentir vraiment fort sur le moment et après ça s'estompe. De toute façon, après vous mettez votre crème hydratante et c'est l'odeur de la crème hydratante qui prend le dessus. Donc ça, il n'y a aucun souci. Elle nettoie aussi vraiment super super bien la peau. Franchement, ces deux lotions-là, c'est vraiment de la tuerie quoi. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Donc celle-là, elle est certifiée bio. Et par contre, ouais, le vinaigre de lavande aussi est certifié bio. Ensuite, un produit que j'ai très peu testé, mais que j'ai quand même aimé, c'est du savon noir biologique. Donc lui, c'est de la marque Aromaroc. Alors, pour vous dire de suite le prix, c'est 12 euros les 200 ml. Alors au niveau de la texture, enfin, au niveau de la texture en fait c'est très c'est gluant et enfin je sais pas, gel gluant un peu, qui fait un peu comme des grumeaux. Enfin la texture franchement au premier abord est pas terrible, faut dire la vérité, c'est pas, ça nous attire pas de suite. Niveau odeur, ça sent vachement l'huile d'olive hein, forcément, savon noir, donc faut pas être allergique ni à l'huile d'olive ni à l'odeur de l'huile d'olive. Du coup, au niveau d'utilisation, c'est assez bizarre. En fait, moi, c'était la première fois que je testais ça, hein, franchement. En fait, alors, ils nous l'expliquent. Ce qu'il faut faire, c'est, ils disent, émulsionner le savon noir sur le corps, laisser agir 5 minutes, rincer, puis procéder au gommage avec un gant de Kesa. Je sais pas si ça se dit comme ça. En faisant des gestes circulaires, rincer à nouveau, puis appliquer une huile hydratante. Et franchement, il nettoie mais super super bien. On a la peau vraiment toute douce après. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais et puis l'eau, je sais pas si c'est moi qui ai psychoté ou pas, mais alors j'avais l'impression que la couleur de l'eau était un peu marron. Enfin, comme si ça me décrassait vraiment quoi. Alors, j'avais déjà entendu parler de ça, de ce genre de produit dans les hammams et tout ça. On m'avait dit que c'était super impressionnant parce que voilà justement. On avait cette eau qui devenait un peu marron alors qu'on se sent, enfin, on se voit pas sale, mais en réalité ça nettoie vraiment tout et du coup voilà, super super bon produit. Malheureusement, c'est vrai qu'il faut un peu de temps. Et il faut avoir le temps pour pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que moi j'ai très peu utilisé, je l'ai utilisé 4-5 fois, pas plus. Par contre, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Et pour finir, mon dernier produit, c'est un vernis. Oula. Un vernis magnifique. Donc c'est un rose rose bleuté un peu. Il a des reflets bleus. C'est rose bonbon avec des reflets bleus. De la marque Santé. Et lui par contre, malheureusement, j'ai pas trouvé le prix. Donc du coup, je ne sais absolument pas combien il coûte sur leur site, mais je crois que j'avais vu sur d'autres sites peut-être dans les 10 euros, peut-être un peu moins. C'est la première fois que je teste un vernis bio. Alors du coup au début j'avais un peu des craintes parce que je me suis dit forcément par rapport à la tenue ça va être un peu moins bien que les autres vernis dits normaux on va dire. Et franchement non, pas du tout. Ça tient aussi bien qu'un vernis pas bio et j'en suis vraiment très contente. En plus c'est une couleur qui change pour l'été, ça a été super. Moi je suis pas beaucoup bronzée parce que j'ai pas eu le temps d'aller à la plage et tout ça. Mais en tout cas, je l'ai mis plusieurs fois dans l'été et franchement, il tient très 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 bien. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Du coup, n'hésitez surtout pas à commander sur ce site. Franchement, en plus, ils sont ultra rapides. Au niveau des frais de port, ça reste raisonnable. 3,99 € jusqu'à 20 euros. Après, je crois de 20 euros à 60 euros, c'est dans les 5,95 € si mes souvenirs sont bons. Et à partir de 60 euros, c'est gratuit. Donc très 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 bon site. Allez-y vraiment, je vous le conseille. C'est pas parce qu'ils m'ont envoyé les produits que je dis ça, c'est vraiment un avis sincère. Donc du coup, foncez et je vous fais de gros 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 bisous. À la prochaine. Ciao ciao.